C'est correct qu'ils m'ont montré comment ça marche. C'est pas trop difficile. Mais on va commencer par la prière. Si on vient à toi avec la joie de savoir que par Christ, on a cette libre accès. On vient à toi pour être porté dans tes mains et pour que tu nous chuchotes la vérité dans notre cœur. On vient à toi pour se tourner vers ta sainte parole, le livre de Colossiens. Cette épître, cette lettre que tu as écrite à cette église qui est supposée être aussi vraie pour nous maintenant. Ce qu'on demande, c'est qu'on puisse le regarder avec le cœur ouvert, l'esprit aussi, et que tu nous permettes de pouvoir en recevoir l'instruction. Oui, tu parles à des maîtres et à des esclaves, n'empêche que tu nous parles à tous maintenant. Quand tu m'as permis de voir, Seigneur, que j'espère par ta grâce pouvoir l'exprimer à mes frères et sœurs. Que ça va être autant un bénéfice pour eux que ça l'a été pour moi pendant toute cette semaine. Seigneur, je te demande de bien m'aider, de vraiment pouvoir me diriger, m'utiliser selon ta volonté. Rendu, on est si reconnaissant que tu as révélé ta personne par ta parole écrite et qu'aujourd'hui, on peut tous la regarder en pleine liberté et par l'œuvre et l'aide de l'Esprit. Éclaircis-nous, Seigneur. Enseigne-nous. Amen. Eh bien, oui, on va terminer ce matin le chapitre 3 de Colossiens, tout en commençant aussi le chapitre 4. Ce que vous devez garder en tête, vous rappeler pour ceux qui étaient là, c'est qu'on est toujours sous la bannière des rôles domestiques ce matin. Parce que oui, les esclaves faisaient partie de la famille. Beaucoup des esclaves finissaient par être adoptés par le maître. Donc, il faut faire attention à cette tendance qu'on pourrait avoir de sortir du texte l'idée que ça parle des employeurs et des employés. Non seulement ce n'est pas l'enseignement du texte, je vais même vous démontrer que ce n'est pas l'application première du texte. Oui, ça a une place, mais comme je dis, ce n'est pas l'enseignement première que Paul veut nous démontrer ici par ce passage. Nous devons nous poser une petite question sur pourquoi. Est-ce que la section pour les esclaves, c'est la plus longue? Il y a plus à dire aux esclaves qu'aux maîtres, qu'aux pères, qu'aux maris, qu'aux femmes. 4 versets est dédié aux esclaves. Même qu'il va en parler aux esclaves, rendu dans Éphésiens, donc il y a vraiment une raison très particulière, même quelques-unes. Une des premières choses qu'on doit savoir, c'est que de un tiers à la moitié de la population romaine était des esclaves. Même si on prend l'estimée la plus basse, un tiers, c'est quand même beaucoup de la population, ça. Et quand on réalise que c'est les cœurs contrits, c'est ceux qui souffrent, ceux qui n'ont rien à perdre qui se tournent vers l'Évangile, on peut comprendre que l'Église, en majorité, qui était païenne, était remplie d'esclaves. Et en plus, quand on se tourne vers l'Église de Colosse, on sait qu'il y a un petit problème du nom d'Onésime. Un esclave qui s'est évadé, et là, il est de retour. Il a en main un épître aux Colossiens, puis un autre épître pour Philémon. Où est-ce que l'apôtre Paul va demander son pardon? Plus, même plus encore, comme il va le dire, et on a tendance à penser qu'il parle de même le libérer. Pensez aux vagues que ça va faire à la majorité de l'Église d'esclaves qui se dit « Ah, Onésime s'est sauvé. Non seulement il est pardonné, mais il va même peut-être être libéré. Et moi aussi, je vais me sauver. Moi aussi, je vais me rebeller. » Paul dit « Wow, un instant. » D'autres choses à vous enseigner à vous, les esclaves. Ça peut nous expliquer pourquoi il se dédie un peu plus de temps aux esclaves. Mais même, je vais pousser un peu plus loin et vous dire que qu'est-ce qu'il y a à leur dire, c'est pour nous tous maintenant. Je cherchais à vous le démontrer ceci. Ce que nous, on doit voir ici, c'est que oui, il y a une séparation première entre, il parle aux esclaves dans tout le chapitre 3 et ensuite au maître au chapitre 4, verset 1. Mais lorsqu'on tourne vers les esclaves, je vois une autre sous-division, même deux sortes de sous-divisions. Ou est-ce que d'un côté, on pourrait parler de moitié-moitié? Les deux premiers versets s'adressent à un principe particulier et les deux autres à un autre. Mais ça, on va les dévoiler au fur et à mesure qu'on avance. Je ne vais pas tout venir le punch tout de suite. Mais on pourrait aussi les séparer d'une autre façon, en parlant du fait qu'il va donner un enseignement, ensuite un encouragement, puis enfin une exhortation. Donc là, on va commencer avec l'enseignement et aussi le premier principe, et le verset 22. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Et donc, oui, vous l'avez deviné, le mot serviteur ici, c'est le mot doulos, esclave. Et là, je ne suis pas ici pour faire un débat de mots, mais au moins pour faire comprendre qu'il y a une différence entre un serviteur et un esclave. La vie d'un esclave était excessivement difficile. Ils étaient très maltraités. C'était des objets.
Aristote a dit, on va battre la paresse hors de l'esclave. On doit les enchaîner pour qu'ils se sauvent. Tout simplement dit, un esclave, c'était du bétail. C'est un animal que tu utilises pour le bien de ta famille. Donc, déjà, quand on comprend ça, que c'était ça la vie de l'esclave, puis ensuite, on avance sur ce que Paul leur dit, on comprend que ça aurait dû vraiment frapper dur. Même qu'on va voir ce matin qu'il va y avoir beaucoup de changements de paradigme, changements de façon de penser. Qu'est-ce que Paul va dire ce matin? Et donc, il leur dit que, premièrement, il doit obéir en toutes choses. Ceci, il l'a déjà dit aux enfants. Ils doivent obéir en toutes choses. Et comme je vous dis là aussi, on comprend que la chose qui est exemple, c'est quand c'est contraire à la Bible. Mais à part ça, Paul leur dit vraiment, vous faites tout ce que vos maîtres vous demandent. Et c'est des maîtres selon la chair, il dit. Et ça, on peut vraiment faire un petit contraste avec la fin du verset 22, le Seigneur, hein, le maître dans le ciel. On peut vraiment voir que Paul va continuer à faire des contrebalans, comme on l'avait vu avec la soumission de la femme qui répond à l'amour du mari, et vice-versa. Donc, il fait un peu la même chose ici. Il pointe vers le maître et dit, tu fais ça pour lui, celle de la terre, mais ultimement, il va parler du Seigneur, celle du ciel. Mais ça, on va le voir en avançant tranquillement. On doit premièrement voir les choses qu'il leur demande de faire à ses esclaves. Ça ne doit pas être fait seulement sous les yeux. Pas seulement d'une façon à ce que tu vas être vu pour qu'est-ce que tu fais. Quand le maître ne te regarde pas, là, t'en profites et tu te reposes. Non, c'est en tout temps. Et comme il ajoute, comme pour plaire aux hommes, ce n'est pas dans un but d'avoir l'approbation, dans le but de se faire taper dans le dos. Bon travail, esclave! Ça ne doit pas être dans ce but orgueilleux-là. Bien au contraire, il dit, c'est avec une simplicité de cœur. Et le mot simplicité ici, c'est théothète. Et le mot théothète, ça parle littéralement de pli. Ce que ça veut dire, c'est de ne pas se dissimuler, pas cacher quelque chose dans un pli. C'est aussi l'idée de pas de prétention, qui va très bien avec le petit contrebalan pour plaire aux hommes. Hein. Tu veux plaire aux hommes, tu recherches la gloire, mais dis, fais pas ça pour justement bien paraître. Et le mot théothète se retrouve aussi dans la version des Septante. Vous vous rappelez, la version grecque de l'Ancien Testament. Dans 1 Chronique 29, 17, ça dit, « Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture, ou si je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. » La droiture, comme vous voyez très bien, c'est ça, théothète. C'est là, encore une fois, ce n'est pas David qui parle ici de cette idée de vraiment servir Dieu de tout son cœur. Paul utilise le même mot, Paul le juif, en passant. Paul, qui connaissait la version des Septante, utilise le même mot ici pour parler aux esclaves. Il commence à nous enligner vers une direction particulière. Comme on le voit après quand il dit, c'est dans la crainte du Seigneur. Il détourne les regards, mais on va le voir ça aussi. Comprenez que la crainte ici, ça parle premièrement de peur tremblée. Mais oui, ça a surtout plus une image de crainte révérentielle, comme on en parle. Ce que nous, on doit saisir, c'est qu'il détourne les regards des maîtres de la terre pour les tourner vers le Seigneur, le maître du ciel. Qui leur dit, justement, ne fais pas ça pour qu'eux vous voient ou pour qu'eux vous approuvent, mais faites-le pour lui. C'est comme j'ai dit, il veut les amener en quelque part, les enligner vers une façon de penser qui va vraiment expliquer, rendu au verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Tout ce que vous faites devrait être un petit peu familier pour nous qui ont regardé ensemble l'épître de Colossiens, surtout le verset 17. Vous en rappelez, hein? « Quoique par de totalité », et bien sûr, après, il va se répéter « faites tout ». Donc, il répète deux fois de « tout faire » en parole ou en œuvre, au nom du Seigneur, ou en deux mots, selon sa volonté, avec une attitude de rendre grâce à Dieu. Et là, il prend cette même idée, puis il dit « pour vous, les esclaves, ça s'applique de cette façon, vous faites tout ». On voit encore ici comment le nouvel homme doit être mis en pratique dans certains des rôles qu'il va nous présenter. Comme je vous disais, il prend le nouvel homme des versets 12 à 17, puis il dit, pour la femme, ça veut dire ça. Pour le mari, ça veut dire ça. Maintenant, pour l'esclave, ça veut dire ça. Mais en même temps, on ne peut pas s'empêcher de faire un lien à l'inverse, puis de dire, oui, il parle aux esclaves, mais quand il dit tout, il a dit au verset 17 que c'est pour nous tous qu'on doit tout faire.
Donc, c'est aussi applicable pour nous, le verset 23. Il fait une autre sorte de répétition, Paul, rendu dans le verset 23. Vous voyez sûrement, faites. En tout ce que vous faites, faites-le. Je dirais qu'il y a une petite différence dans le grec, c'est que le premier, ça parle vraiment du verbe faire, et le deuxième, ça parle d'un mot qui veut dire labeur, travail. C'est un effort plus fort. Je peux dire une coche plus haute. Donc, il commence avec qu'est-ce qu'il a déjà dit au verset 17, tout ce que vous faites, mettez-y tout votre effort pour le faire de bon cœur. Et c'est intéressant, le mot cœur ici, c'est le mot suché qui parle de ta personne, ta personnalité. Pas juste ton cœur, tout ton être doit être impliqué de mettre le meilleur effort possible pour tout faire. Et ensuite, il nous dit pour qui? Le Seigneur. Et on voit qu'il fait maintenant la différence. Hein? Tantôt, verset 22, il a commencé avec les mains selon la chair, tu obéis à eux autres. Mais ultimement, c'est la crainte du Seigneur. Là, il dit, vous le faites pour le Seigneur, oubliez les maîtres. Parce que vous faites tout pour le Seigneur. C'est là qu'il veut les enligner. Oubliez vos difficultés. Oubliez qu'est-ce que vous vivez. C'est pour ça que je disais, c'est plus que juste employé-employeur. C'est toute circonstance. Tu oublies ta difficulté, puis tu dis, je fais ça pour Dieu. Parce que nous, les êtres spirituels que nous sommes maintenant, spirituels dans le sens « nés de nouveau », on a le privilège qu'il n'y a plus de différence entre le saint et le profane. Ce n'est pas comme les Juifs. Maintenant, tout ce qu'on fait peut être vraiment à la gloire de Dieu. On n'a pas besoin de faire une séparation. Là, aujourd'hui, ce moment-là, le dimanche matin, c'est pour Dieu. Après ça, c'est pour moi. Il n'y a pas de séparation comme ça pour nous, les chrétiens. On peut vraiment tout faire pour Dieu. Même que Paul le donne un commandement, faites tout pour Dieu. Faites tout pour le Seigneur. C'est-à-dire qu'on doit faire attention à cette tendance qu'on a de vouloir faire des séparations. Hein? On est tous programmés pour dire, ça, c'est le bâtiment, on agit différemment ici, puis quand on sort dehors, on peut recommencer à être comme on voulait. Ou de dire, le dimanche matin, c'est pour Dieu, et le dimanche après-midi, bien, c'est pour moi, comme j'ai dit. Il faut briser cette tendance-là, puis de réaliser tout ce qu'on fait est pour le Seigneur. J'oserais même dire, qu'on vient à pécher lorsqu'on décide, dans notre désir, de dire « je fais ça pour moi ». Que c'est vraiment de dire que je fais ça pour la chair, je fais ça pour mammon, je fais ça pour le diable. Parce que tout ce qui n'est pas fait pour le Seigneur, c'est bien à contredire ce que Paul vient juste de nous enseigner ici. Faites tout, avec votre meilleur effort, avec toute votre personne, pour le Seigneur. Sinon, pose-toi une question. Parce qu'il n'y a pas de différence. Tu ne peux pas dire « ça c'est une chose profane, c'est une chose du monde, c'est correct ». Non, non. Si tu ne le fais pas pour le Seigneur, remets-toi en question. Et c'est comme j'ai dit, ce n'est pas le fait de faire une distinction, mais ça, c'est une affaire spirituelle. Ça n'a pas rapport. Tu le fais pour le Seigneur. C'est ça que Paul veut leur dire. Et c'est pour ça que je n'arrête pas de vous répéter, ce n'est pas juste aux esclaves, ce n'est pas juste aux employés, c'est à nous tous et dans toutes circonstances qu'il nous dit, tu regardes vers le Seigneur, tu fais ça pour lui. Ça, c'est le premier grand principe. Tout ce qu'on doit faire, c'est pour le Seigneur. Le deuxième, c'est qu'est-ce qui va suivre rendu au verset 24. Où est-ce qu'on arrive en un encouragement? Sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Si vous voyez la modification, le changement, la transition que Paul a faite, hein, au verset 22, il a dit « obéissez au maître ». Après ça, il a dit « et la crainte du Seigneur ». Là, ensuite, il a dit « faites-le pour le Seigneur, oubliez les maîtres ». Là, il arrive au verset 24, il dit quoi? Servez Christ le Seigneur. Il ne parle même plus des maîtres. Il veut nous faire comprendre, c'est juste là ton regard, puis c'est tout. Disant que ça, c'est le Seigneur, bien sûr, pas la porte. Mais il commence en disant, sachant. Et c'est un peu comme avec 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Il savait. Je vous répète, qu'est-ce que vous savez déjà? Justement, dans la parole de vie, ça dit, en effet, vous le savez. C'est ça l'idée de sachant. Vous l'avez déjà su, je vous le répète. Je vous répète quelque chose que vous devez déjà savoir. C'est qu'on va recevoir du Seigneur l'héritage. Ça, je vous dirais tout de suite que ça aurait été excessivement étonnant. Et même, je dirais, un autre changement de paradigme pour les esclaves. Parce qu'un esclave, légalement, ne peut pas être un héritage. Elle ne peut pas avoir d'héritage. L'esclave devait être libéré pour pouvoir avoir un héritage. Mais Paul ne parle pas de libérer hein, ici. Même au contraire, il dit « continue à servir en tant qu'esclave, même jusqu'à ta mort, s'il le faut, je pourrais ajouter, parce qu'après ça, tu as un héritage. » Quoi pas, tu me dis que je vais continuer à être un esclave, je ne vais jamais être libéré,
mais je vais quand même avoir un héritage. Aïe, aïe. Même s'il savait de se le faire rappeler, ça aurait été étonnant. Ah, c'est comme quand Dieu nous montre quelque chose qu'on n'avait jamais vu dans la Bible avant. Ah, une conviction qu'on avait, puis que Dieu, whoops, nous change de perspective. Puis là, on le voit dans la Bible partout, puis on dit, comment ça, je ne l'ai pas vu avant? C'est tellement étonnant. Il me semble que c'était là. Il savait. Mais de se le faire dire ici par la plume de Paul, hey, c'est vrai, on va avoir un héritage. Mais là, il continue en disant que c'est un héritage pour récompense. Et le mot veut vraiment dire ici que c'est mérité. Là, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais l'héritage, on parle de la vie éternelle. Parce que tout le monde est quand même d'accord avec moi. La vie éternelle, c'est l'héritage promis par le Seigneur. Pourquoi Paul parle ensuite de mériter, comme si on mérite le salut? Ou, comme ça dit dans la traduction de Martin, non de moi, sachant que vous recevez du Seigneur le salaire de l'héritage. C'est vraiment ça l'idée. Ça va être quelque chose de mérité. Paul, qu'est-ce que tu nous enseignes ici, qu'on mérite l'héritage, qu'on mérite la vie éternelle? Ou est-ce que Paul veut nous enligner vers un autre principe très important? Comme il a fait tantôt du verset 22 à 23, il veut nous enligner vers une autre idée très importante qu'on retrouve au verset 25 maintenant. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Il n'y a point d'acception de personne. Le principe en soi, c'est celle des conséquences. Je ne sais pas si vous savez, mais même si nous sommes sous la grâce, n'empêche que Dieu a comme établi qu'il va y avoir des conséquences à nos actions, autant bien que mal. Ce n'est pas des punitions, mais c'est des conséquences. Et comme Paul leur dit à des chrétiens de Colosse, si vous agissez avec injustice, vous allez recevoir de l'injustice. Et comme on comprend dans verset 25, ça semble venir de Dieu lui-même. Hein? Il n'y a point d'exception de personne. Donc, le principe de justement, tu récoltes ce que tu sèmes. C'est là que Paul semble vouloir nous enligner. Donc, autant au verset 24, quand il nous parle de mériter quelque chose pour nous faire comprendre, hein, tu fais le bien, tu as du bien. Là, rendu verset 25, il leur fait comprendre, et si tu fais du mal, tu vas avoir du mal. C'est là que je crois que Paul veut enligner les gens en parlant de mériter les récompenses. Alors, pensez à sur la terre, là, il y a des conséquences. Tu récoltes ce que tu sèmes, comme je viens juste de dire. Et j'aimerais vous partager ici quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant cette semaine. Je lisais à propos d'un livre de M. Paul Lausanne, Jean Lausanne, qui a écrit sur ce qu'il appelait les choix de la vie. Et le sous-titre de son livre, c'était la loi de la récolte. Où est-ce qu'il a pris justement ce principe-là de la Bible, puis il a sorti 7 points très importants que je voulais vous partager rapidement. Le premier, comme on connaît très bien, tu récoltes ce que tu sèmes. Le deuxième, tu récoltes en harmonie avec ce que tu sèmes. Ou si vous voulez, il y a toujours ce balancement qui se fait. Si tu sèmes à 2/3 pour l'esprit, mais 1/3 pour la chair, devine quoi? Pas juste avoir 1/3 de chair, mais le tiers de chair va venir faire une petite affaire avec le 2/3 aussi. Il va venir affecter ton esprit aussi. Il y a toujours une harmonie, un balan dans ce qu'on récolte et qu'on sème. Le troisième, tu récoltes dans une autre saison. Pour nous, la génération des fast-food puis des micro-ondes, on n'aime pas trop ça, cette idée que ça va être l'autre saison. J'ai prié maintenant, Dieu devrait répondre. Non, mais j'ai pris une semaine pour témoigner à cette personne, à tous les jours, j'ai dit l'Évangile, puis il ne s'est pas encore repenti. L'autre saison. M. George Mueller, l'homme de la foi qu'il était, priait pour 5 personnes à être sauvées dans sa vie. 3 de ces personnes ont été sauvées pendant sa vie, 2 après sa mort. Ça, c'est vraiment l'autre saison en passant. On a ensuite, tu récoltes plus que ce que tu sèmes. Dans Osée 8:7, l'Éternel leur dit, « Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonnent la tempête. » C'est vraiment ça le principe. Autant pour la chair que pour l'esprit, tu reçois toujours plus que ce que tu as donné, parce que c'est comme ça que Dieu y est. Ensuite, le cinquième, tu récoltes en proportion de ce que tu sèmes. Dans 2 Corinthiens 9:6, ça dit, « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » C'est quand même assez simple comme principe, n'est-ce pas? Tu mets l'effort pour l'esprit, attends-toi qu'il va y avoir quelque chose. Tu ne mets pas d'effort, attends-toi à rien. C'est aussi simple que ça. Oups. Et finalement, non, tu allais trop vite, le 6. Tu récoltes tout seulement si tu persévères
Mais ensuite, il y a aussi le mal, lui, il vient sans effort. N'est-ce pas vrai? Quand tu sèmes pour la chair, on dirait tout de suite, tu l'as. Mais pour l'esprit, on dirait faut que tu mettes beaucoup plus d'efforts pour avoir quelque chose qui en ressorte. Et là, le cinquième, tu ne peux rien faire à propos de l'année passée. Ça, c'est quand même assez important de réaliser. Tu as péché, tu as mal agi, tu as semé pour la chair, tu ne peux pas changer ça. Même si tu le regrettes de tout ton cœur, c'est arrivé. Avance. Justement, je me rappelle d'une histoire dans 1 Samuel. Après qu'il ait demandé le roi, puis qu'il reçoive Saül, Samuel prend le temps de les gronder, les chicaner un peu dans le chapitre 12. Puis là, Dieu s'en mêle aussi, puis il fait une belle grosse tempête pour leur montrer, je suis d'accord avec Samuel, qu'est-ce qu'il dit. Le peuple réagit avec, qu'est-ce qu'on va faire? Dieu est contre nous, tu as raison, on a péché. Voici la réponse de Samuel. Samuel dit au peuple, n'ayez point de crainte. Vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur. Oui, vous avez mal agi. Il va avoir des conséquences. Maintenant, faites le bien. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Là, remettez votre vie en règle, le Seigneur. Là, obéissez-le. C'est ça, le certain principe. C'est ça qu'on doit comprendre, nous autres, ici. Donc, je ne sais pas à quel point ça a été bénéfique pour vous comme ça a été pour moi. Tant qu'on comprend quand même que le verset 25 nous rappelle que tu sèmes ce que tu récoltes, qu'il y a toujours des conséquences à ce qu'on fait. Et que là, il ajoute et il termine au verset 25 en disant il n'y a point d'exception de personne. Ou comme ça dit dans la Sommaire, car Dieu ne fait pas de favoritisme. Je pense que ça dit aussi la même chose dans la Bible de Genève. Ça parle de favoritisme. C'est ça l'idée ici que Paul veut nous faire comprendre. Dieu ne fait pas de favoritisme. Quand Dieu demande à une personne de faire ceci, femme, soumettez-vous. Marie, aimez vos femmes. Peu importe la circonstance dans laquelle que tu es, c'est ça ton commandement. Quand il dit aux esclaves, c'est ça que tu dois vivre, 22 à 24. Puis il réalise que le 25 est là pour t'avertir. Puis en retour, tu dis, oui, mais ma vie est tellement difficile. Lui va répondre, oui, mais Dieu ne fait pas de favoritisme. Justement, dans la loi lévitique, il leur avait dit ceci. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point d'égard à la personne du pauvre et tu ne favoriseras point la personne du grand. Mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Notre société est bien forte pour la deuxième partie et qu'on a écrasé les riches. Mais l'idée de que tu fais plus de bien aux pauvres, ça, c'est fort aussi. Pourtant, le Seigneur, il dit non. Non, non, tu ne fais pas du favoritisme aux pauvres non plus. Tu juges selon la justice. Parce que c'est comme ça que moi, je suis l'Éternel. Je ne dis pas, pauvre, tis-toi, c'est correct, tu n'es pas obligé d'obéir, toi. Dieu, il est équitable. Tout le monde doit rendre des comptes. Dieu ne fait pas d'exception de personne. En passant, on doit comprendre, justement, comme je n'arrête pas de vous dire, que ce n'est pas juste pour les esclaves, parce que dans Éphésiens, on voit le même enseignement, mais dit différemment. Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, donc là, il ne parle pas juste aux esclaves, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre et dans les cieux. Et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Paul qui dit la même chose du verset 25 ici, là, il le dit maintenant au maître. Donc, on voit que ce n'est pas juste pour les esclaves, ce principe de conséquence, c'est aussi au maître qu'il l'avait dit. C'est pour tout le monde, cette réalité-là. Autant que c'est pour tout le monde, l'idée qu'on doit tout faire pour Dieu. Et on va le voir avec les maîtres ici, justement, rendus au chapitre 4 et le verset 1. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous avez, vous aussi, un maître dans le ciel. Voici d'où que je prenais tantôt l'idée du Seigneur dans le ciel. En passant, même si c'est mon maître ou Seigneur, c'est à peu près la même idée. Hein? Même si c'est deux mots différents, on comprend que c'est quelqu'un qui a la direction et l'autorité à qui tu te soumets. Là, voici qu'il dit au maître, « Oui, oui, tu es le boss sur la terre. » Mais Dieu est le boss dessus de tout le monde. Comme on l'avait vu dans la Christologie du chapitre 1, il est au-dessus de toute domination, autorité et ainsi de suite. Même les rois de la terre sont en dessous de ses pieds. Qui tu penses que tu es, monsieur le maître? Tu as un maître, toi aussi, dans le ciel. Là, je sais que vous comprenez qu'il parle des maîtres sauvés, bien sûr. Là, il leur dit ensuite qu'ils doivent accorder. Et il faut vraiment comprendre que le mot accorder, c'est quelque chose de plus intime qu'on peut s'imaginer. C'est vraiment plus que donne-le des bonus de temps en temps ou des journées de vacances de plus. C'est vraiment, implique-toi dans sa vie. Apprends qu'est-ce que tu as besoin. Le mot accordé ici, ça parle vraiment de s'approcher pour aider.
Devenir intime avec la personne pour l'aider. Donc, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, qui nous donne le regard du ciel et le regard de la terre. Parce que le mot juste, bien sûr, la justice, c'est toujours selon le Seigneur. Vous savez, comme moi, c'est bien écrit dans la Bible, c'est Dieu qui décide qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais quand on parle d'équitable, là, ça devient plus responsable à toi-même. L'équitable, l'idée d'équitable, c'est vraiment selon ta conscience, selon ta perception. C'est un peu comme on a vu avec Samuel mercredi, avec Boaz, qui a non seulement mis en pratique la loi, mais il est au-delà. Donc oui, tu mets en pratique la justice, tu suis la Bible à la lettre, puis en passant dans l'Ancien Testament, ça disait que tu peux battre tes esclaves. Mais en même temps, tu vas plus loin. Tu agis avec équitable aussi, tu agis avec une bonté, avec une gentillesse. Tu mets en pratique les versets 12 à 17. Hein, tu as des entrailles de miséricorde, avec douceur, avec bonté, tu agis envers tes esclaves. Tu vas un peu plus loin que la loi ici. Donc oui, tu es juste en toi et Dieu, mais aussi entre toi-même et ton esclave, tu agis d'une façon équitable. On pourrait vraiment dire que ces deux mots-là résument parfaitement les deux principes qu'on a vus ensemble dans le passage. Parce que, comme j'ai dit, la justice nous fait pointer vers le Seigneur, ce Seigneur qu'on doit faire tout pour lui, ce Seigneur qu'on doit regarder et dire « ma vie est pour lui ». Et tout ce que je ne fais pas pour lui, bien, je dois dire assez honnêtement, je fais ça pour la chair. Il n'y a aucune façon. Tu fais ça dans la sphère de Dieu ou tu es à l'extérieur de la sphère de Dieu. Mais quand on parle d'équitable, bien sûr, comme j'ai dit, ça parle de ces relations entre nous et ça parle encore une fois de ces principes aussi de « tu verras qu'est-ce que tu mérites ». Si le maître agit avec une façon équitable, il va s'attendre bien sûr qu'il va avoir des choses équitables dans sa vie. Tu fais le bien, tu vas récolter le bien, comme on le voit juste ici. Il aura fait de bien. Donc, c'est qu'il a fait de bien. Donc, c'est de comprendre que c'est ça, les deux principes de base que Paul nous présente ici dans ce passage. Et que, bien sûr, ces principes ici, là, il n'a pas commencé dans verset 22. J'oserais même dire qu'ils ont commencé dans toute l'épître de Colossiens, mais on va reculer tout simplement au chapitre 3. Ça commence avec l'idée de qui nous sommes en Jésus-Christ. Ça commence avec une nouvelle identité, premièrement. Cette nouvelle identité qui nous motive à mettre à mort la chair et ses inclinaisons, à mettre à mort ses désirs d'avoir les choses à notre façon, qui nous motive aussi ensuite d'avoir des moments de colère ou de méchanceté. Tu mets à mort ces choses-là et tu te revêts du nouvel homme. Tu te revêts de cet amour qui devrait être le motivateur de tout ce que tu fais, d'être dirigé par le juge de la paix. Et avec une attitude, bien sûr, de reconnaissance. Assez d'être frustré après ton boss en disant « merci Seigneur qui est dans ma vie ». C'est pas trop facile. C'est là qu'on commence l'idée de ce principe et qu'ensuite on arrive à maintenant où est-ce que Paul le met en pratique pour les esclaves et comme je vous ai dit, pour nous aussi. Tu regardes ta nouvelle identité et tu mets en pratique le reste du nouvel homme. Donc voici ce qu'on était appelé à faire en terminant le chapitre 3. Et j'aimerais terminer, bien sûr, par la prière. Seigneur, premièrement, on a tellement un grand cadeau de savoir qu'on est une nouvelle personne en Jésus-Christ. Le monde cherche en vain de changer leur vie, en vain de trouver une relation avec ce Dieu créateur ou ce Dieu très haut. Ils cherchent en vain dans toutes sortes de méthodes et à nous, tu nous l'as offert en Christ. Tu nous as offert la grâce, tu nous as offert le pardon, tu nous as offert son sang. Nous avons tellement un grand cadeau qui devrait être la force motrice, le motivateur premier pour tout ce qu'on fait ensuite. Seigneur, que tu nous aides ensuite par ces regards fixés sur Christ, notre exemple, et Christ, notre nouvelle identité, de vivre sur cette terre pour lui, pour toi. Aide-nous, Seigneur, à être assez honnêtes avec nos pensées, nos désirs et les choses qu'on voudrait faire. Et de dire, est-ce que vraiment je veux faire ça pour Dieu? Ô Seigneur, qu'on soit capable, avec grande humilité, d'appeler un péché. Et de se tourner aussi, Seigneur, vers le danger de négliger le fait qu'il y a des conséquences à nos actions. De s'imaginer que la grâce veut dire aucune répercussion pour qu'est-ce qu'on fait. Tu as été juste en établissant un système de récolte et de semer. Qu'on le prenne au sérieux,
et qu'on recherche justement à faire le bien pour que le bien découle dans tous ses sens possibles. Que tu nous aides surtout, Seigneur, à juste aimer les autres comme tu nous as aimés. L'exemple parfait. Rendu, on demande ton aide surtout parce qu'on sait qu'on ne peut absolument rien faire sans toi. Viens à notre secours, Seigneur.